Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou. Je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. Stardust est là, bonjour. Selem est avec nous. Morita est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez. J. Vincent est là, bonjour. Mélissa Madrid est avec nous aussi. Cosmina, bonjour. Monsieur professeur, bonjour mes amis. Elle dit bonjour à tout le monde. Et oui, elle est très polie, Cosmina. Maria est avec nous aussi. Omar est là. Bonjour Omar, comment ça va? Tenzing est là aussi. Victoria Possé, comment ça va? Ensuite, je regarde. Roman est là aussi. Il nous fait comme ça. Annabelle Nouvelle nous rejoint. Ben ça fait plaisir, Annabelle. Bonjour ou bonsoir pour vous, parce que c'est la nuit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Kate est avec nous aussi. Tachi, bonjour. Hilary est là aussi. Renato est là. Ben écoutez, merci beaucoup. N'oublions pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le like. Alors, on a toujours la trompette, mais j'en ai une deuxième maintenant. Voilà, on clique sur le like, merci beaucoup. Allez, la chanson du jour, c'est une chanson qui est, à mon avis, magnifique. Très douce, très courte, bien sûr, une chanson d'amour. Bah, c'est des classiques, hein. Nous sommes français, nous aimons chanter l'amour. Le premier bonheur du jour, c'est un duo avec une chanteuse qui s'appelle Clara Luciani. On avait parlé de cette chanteuse, elle a une voix incroyable, vraiment incroyable, et un chanteur qui s'appelle Thomas Dutronc, et cette chanson est vraiment très très jolie. Je vous invite à la découvrir sur notre playlist, je l'ai mise en première position, donc si ça vous intéresse, écoutez-la, cherchez les paroles, et bien sûr, travaillez le français avec ça. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Yulia qui dit « Yossi n'est plus là, il est stressé à cause de l'alarme. Ça n'est plus... J'ai changé l'alarme. Ali, pour donner un côté très profond à la question du jour, eh bien la voici. Que voudriez-vous faire l'année prochaine? Quels sont vos plans? J'imagine que là, vous avez le temps de réfléchir, de vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire l'année prochaine? S'il vous plaît, une phrase pour nous dire ce que vous voulez faire l'année prochaine. Allez-y. Alors, je regarde, Tachi nous rejoint. Bonjour Tachi. Yesero nous rejoint aussi. Yulia, donc, nous rejoint puisqu'elle commente ou elle remarque le fait que Yossi a disparu. Oh, il va revenir, il fait une pause. Et Kuzvanich est là aussi. Bonjour. J. Vincent qui est là aussi. Alors, Chériline qui pose la question, combien de kilomètres avant même de dire bonjour? Non, elle a dit bonjour avant et je dis 5, Chériline, mais c'était à l'extérieur, donc c'était un petit peu différent, bien sûr. Thank you.
Alors Renato qui commence et qui dit je veux faire un voyage, peut-être en France ou au Maroc. Ah bah oui, ah bah le Maroc c'est très très joli aussi. Pourquoi pas les deux, soyons fous, pourquoi pas les deux. J. Vincent qui dit j'aimerais sortir davantage et esquisser, dessiner des scènes urbaines. Selem qui nous dit que l'année prochaine, eh bien, je voudrais voyager. Maria qui nous dit je voudrais apprendre le violon et la musique acadienne l'année prochaine. Eh oui, je me souviens d'une chanson. Tous les Acadiens et tous les Acadiennes. Nanana. Oh oui, chanson acadienne très jolie. Olga qui nous dit bonjour, bonjour Olga, comment ça va? Olga, n'oubliez pas. Il faut cliquer sur le like. Merci beaucoup. Lynn qui nous rejoint aussi. Lynn, s'il vous plaît, on clique sur le like. On essaye d'arriver à 100 likes. Ce serait formidable. Hope qui nous dit, je voudrais acheter une moto ou un moteur. Ça, je ne sais pas, Hope. Yesero, l'année prochaine, je voudrais faire le tour du monde et voir les jolis paysages que le monde a à m'offrir. Très bien. Mourad, bonjour Mourad, pas de problème. Pas de problème pour le retard, nous commençons juste maintenant. Ice Cube, qui nous rejoint, Ice Cube, s'il vous plaît, on n'oublie pas de... On n'oublie pas de cliquer sur le like, merci beaucoup. Mélissa Madrid, j'aimerais aller en Autriche pour les vacances. Et Kuzbanish qui nous dit, je voudrais aller en Europe. Ensuite, je regarde Tenzin qui dit, je crois que ma fille va être ici en France avec moi. Ah ben ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable, Tenzin. Morita qui nous dit, qui dit bonjour. Omar, l'année prochaine, je veux voyager. Commencez par quelques villes de France et essayez le français. Il faut parler, bien sûr. Il faut parler. Tachi qui dit « Je voudrais aller en vacances ». Eh ben oui. Victoria Jacques qui nous dit « L'année prochaine, je voudrais prendre autant de voyages que possible ». Et on n'oublie pas que Victoria Jacques déteste l'avion. Le paradoxe. Victoria Jacques, il faut faire du train. Moi, j'adore le train. Le train, c'est formidable. Yulia qui nous dit, l'année prochaine, c'est très loin. Mais cette année, je veux visiter Marseille pour les Calanques. Ah, les Calanques de Marseille. Magnifique. Avignon, qui n'est pas très loin aussi. Et la Tanzanie, un petit peu plus loin pour vrai. Voir une vraie girafe, bien sûr. Parce qu'il y a des vraies girafes et des fausses girafes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Annabelle Nouvelle, tout ce qui me vient et auquel il faut répondre. Ah ben c'est formidable, ça c'est formidable. Victoria Thomas, voyager autour du monde et surtout en France, à Paris et au bord de l'océan. Stardust, je ne sais pas, j'aimerais aller voir des spectacles, ça me manque beaucoup, c'est vrai. C'est vrai, les spectacles, on a oublié ce que c'est finalement. Morita qui nous dit, je voudrais travailler. Bah oui, Ice Cubes, voyager et voyager. Eh ben oui. Ensuite, attendez, Victoria Possé. L'année prochaine, j'aimerais aller vivre à Paris pendant 6 mois. C'est mon rêve. Mais cette situation ne permet pas de faire beaucoup de plans. Peut-être que l'année prochaine, ce serait possible, Victoria. Soyons optimistes. Un jour, ce sera possible. Roman, j'aimerais voyager en Espagne car il y a deux belles villes que j'aimerais visiter. Séville et Barcelone. Ah bah oui. Cosmina qui nous dit, j'ai cessé il y a quelque temps de faire des plans. C'est fini pour Cosmina. Les plans, c'est derrière. Ça n'existe plus. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais essayer d'être en bonne santé. Moi et toutes les personnes que j'aime, bien sûr. Ice Cubes, qu'est-ce que j'ai fait à l'alarme? Alors Ice Cubes, on m'a dit, c'est fini l'alarme. Donc hier, j'avais celle-là. Que je trouvais sympathique.
certaines personnes ont dit non, c'est pas très bien. Et donc aujourd'hui, nous avons... Voilà. Allez, on continue. Je regarde. Cherylyn, je voudrais finir mon doctorat et poursuivre des études supplémentaires sur toutes les découvertes intéressantes que j'espère avoir faites d'ici là. Cherylyn s'oriente vers la profession intéressante ou la carrière intéressante de post-doc. Voilà, Victoria Jacques, je peux nager en Europe et prendre le train dans tous les pays. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Allez, bien sûr, pour les personnes qui arrivent, il faut cliquer sur le like pour que nous arrivions joyeusement, mais sûrement, aux 100 likes. Allez, s'il vous plaît, trouvez-moi un mot qui commence avec les lettres AN. Allez-y. Alors, je regarde Mélissa qui nous dit « ancêtre », effectivement, au pluriel. Donc, Annabelle qui nous donne le verbe « annoncer ». Selem qui nous dit également « annoncer ». Stardust qui nous dit « ancien », masculin, féminin, ancienne. Ekusvanish qui nous dit « anatomie », féminin, hein, l'anatomie, une anatomie. Tenzin qui nous dit « un ange ». Et Ange Gabriel qui arrive et qui nous dit bonjour. Ange Gabriel, on n'oublie pas de... cliquez sur le like. Victoria Thomas qui nous dit une année. Attention avec un E à la fin. Hope qui nous dit une année aussi. Selem, attention, une encre. Hein. Ça, c'est de l'anglais que vous avez mis. Renato... Anthem, ça c'est de l'anglais aussi. Maria, un annuaire. J. Vincent, attention, un animal, pluriel des animaux. A-N-I-M-A-U-X, attention. Yesero, une encre. Hilary qui nous dit annuler. Hope qui nous dit année-lumière, d'accord. Juste un Hope, s'il vous plaît, merci. Fatima qui nous dit ancien. Hicham qui nous dit un anniversaire. Victoria Jacques qui nous dit anis étoilé. Qu'est-ce que c'est? Anis, je connais, mais anis étoilé, pourquoi? Mojita, annuel, attention, c'est avec un E et pas un A. Ice Cubes qui nous dit annulé. Cosmina qui nous dit anabolisme. Victoria Possé, animé, effectivement. Mojita qui nous dit animal. Olga qui nous dit antipathique, adjectif qui est au masculin et au féminin. Identique. Julia qui nous dit andouillette. Oh, alors là, ça, l'andouillette, délicieux. Alors là, et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Délicieux l'andouillette. Lynn arrivée. Morita annulée. Ange Gabriel, annuaire, effectivement. Romane qui nous dit anesthésie. Attention, c'est pas un A à la fin, mais c'est un E. Une anesthésie. Ensuite, alors attendez, Cherylyn, angiotensine. Morita qui nous dit encore animaux. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas, on y va. Et Yola qui dit l'alarme de la SNCF est jolie, grand classique. Quand on entend la mélodie de la SNCF, on sait qu'on est en France. Merci. Happy for the... Thank you.
Alors, malheureusement, l'alarme de la SNCF, il y a des droits d'auteur, il y a des copyrights et je ne peux pas y toucher. Mais celle-là... C'est possible. S'il vous plaît, cliquez sur le like si vous venez d'arriver. Merci beaucoup. Allez, la phrase du jour. Comme d'habitude, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire votre journée. Et si c'est le matin pour vous, la journée d'hier. Merci. Alors, Johanna nous rejoint. Bonjour Johanna, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu en retard, ça n'est pas grave. Alors, j'aime beaucoup ce que Maria nous dit. Parce que Maria nous raconte une histoire intéressante. Hier, mais 5 poules ont gloussé assez fort à l'extérieur, que je me suis réveillé et j'ai heureusement réalisé que je n'avais pas de plus de 30 minutes de retard pour ce cours. Merci à vos poules, Maria. Voilà, vos poules. Elles ont envie que vous étudiez un petit peu le français. C'est très sympathique. Stardust, aujourd'hui, rien de spécial à signaler sur ma journée. C'était une journée calme et je suis allé me promener. Très bien écrit. J. Vincent, j'ai ramassé un peu de choses pour chiens. Qu'est-ce que c'est? Ah, les cadeaux! Les cadeaux que les chiens nous donnent généreusement dans le jardin. Puis nous sommes assis dehors et avons lu un peu. Très bien. Tenzing, pas grand-chose. Je me suis réveillé à 13h. Ça, c'est pas mal. Victoria Jacques, je me suis couché après 4h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe, Victoria Jacques? Non, il faut se coucher plus tôt. Et après le cours, je ferai une bonne sieste. Ben, c'est normal. Annabelle Nouvelle qui nous dit « Plusieurs heures de sommeil. Merci. Et vous ?» J'ai bien dormi. J'ai très bien dormi. J'ai passé une soirée sympathique avec mon ami, mon très bon ami Frédéric. Écoute Vanish, ma journée hier était inoubliable, mais qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Lynn, hier j'ai fait les courses, ben ça c'est important. Fatima, une journée heureuse avec tout le monde, mon mari, mon fils à la maison. Eh ben voilà, ça c'est formidable, c'est simple, mais c'est tellement bon. Omar, j'ai étudié la conjugaison ce matin et après un peu de tennis à la télévision. D'accord. Victoria Possé, une matinée très spéciale, une promenade très agréable et une belle conversation avec ma petite fille. Ah, ça, les conversations avec les enfants, c'est toujours formidable. Toujours des choses incroyables à raconter. Moi, j'adore. Ange Gabriel, il fait bon aujourd'hui et on a des invités. On est en train de s'amuser. On a oublié le Covid. Ah bah oui, il faut essayer. Yulia, j'ai fait la route des hyacinthes qui sont en fleurs maintenant dans la forêt. Et après, j'ai cassé une bouteille de bière à Carrefour. Ça arrive. Ah ça arrive. La bouteille, vous l'avez et choup, elle tombe et voilà, c'est cassé. Bon, ça arrive. Hein. Sariana, aujourd'hui, ma journée était très simple et calme. Mais hier, j'ai rencontré mes amis et j'ai mangé beaucoup et beaucoup, c'est bien. Il faut manger dans la vie. C'est nécessaire de manger. Sinon, eh ben, c'est pas rigolo. Cosmina, encore un jour normal, tranquille, avec un peu de tout. Nettoyage, cuisine, télé, lecture. Olga qui nous dit « Hier a été insupportable pour moi toute la journée. » Ça arrive, Olga. Ça arrive,
Mais hier, c'est derrière. Aujourd'hui, tout va changer. Mélissa Madrid, aujourd'hui, je planifie mon déménagement pour que ce ne soit pas très embêtant le jour J. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Il faut planifier un minimum, sinon c'est le bazar. Ensuite, c'est samedi, mon fils, tu fais quoi ici? Je ne sais pas, que se passe-t-il? Morita qui nous dit, j'ai assisté à mon cours de français aujourd'hui. Très bien. Renato, hier, j'ai quitté la leçon de professeur Vincent et je suis arrivé au travail en retard. Oh, ah non, 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 Renato, ça c'est pas raisonnable, hein. Il faut être à l'heure, sinon ça va mal se passer. Selem qui nous dit, hier j'ai retardé mon travail. Ça arrive, il faut pousser. Yesero, hier j'ai vu un documentaire intéressant. Il s'agissait de l'histoire de la Russie. Johanna, ma journée d'aujourd'hui a été tout à fait excellente. Oh. Dès le matin, le soleil est apparu dans le ciel. Oui, ici aussi, et là c'est formidable. Il a fait bien sûr assez chaud pour un jour d'avril. Tachi, hier je suis allé chez mon voisin ou ma voisine pour dîner ensemble et nous avons dansé. Ah ça c'est pas mal, donc j'étais tellement contente avec elle. Ben oui, si vous pouvez danser, il faut danser. Johanna, j'ai fait le ménage, d'accord, dans le sous-sol de la maison de mes parents. Ça c'est gentil. Hope qui dit, hier j'ai dansé à la maison. On a envie de danser. On danse à la maison et c'est normal. Et c'est bien, il faut danser à la maison, mettez de la musique, chantez, dansez, la vie est courte. Hicham qui nous dit, aujourd'hui je suis allé dans une bibliothèque formidable. Alors, Cheryline, j'ai regardé 3 adaptations différentes de Taskmaster. Ah, donc Nouvelle-Zélande, Finlande et Norvège. Et j'ai conclu que seule l'adaptation norvégienne conservait la dynamique amusante de l'émission britannique. Ok, merci beaucoup en tout cas. Alors, Amla nous rejoint. Bonjour Amla, et n'oubliez pas Amla. Eh oui. Il faut cliquer sur le bouton like. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas les autres qu'il faut vraiment le faire. Merci beaucoup. Allez, on va finir cette histoire de série, et enfin de cette histoire d'Arsène Lupin, enfin de Lupin plutôt, puisque c'est pas Arsène Lupin, mais c'est Lupin. Et toujours première saison, et là c'est le dernier épisode, et cet épisode s'appelle Étretat. Allez, Étretat, on commence, si vous voulez bien, ça démarre. Ah, très intéressant, encore une fois. J'imagine que ça va être un petit peu sportif, mais on va y arriver. Voilà, voilà et voilà. Allez, après la mort de Fabienne, Hassan se retrouve également poursuivi par Léonard. Après la mort de Fabienne, Hassan se retrouve également poursuivi par Léonard. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Thank you.
Allez, si on regarde ensemble, on était à la recherche encore une fois de trois choses. La première chose, c'est un substantif et c'est la mort. Souvenez-vous que c'est féminin. Vous l'écrivez M-O-R-T. Ensuite, c'est le verbe se retrouver, verbe pronominal. On le conjugue à la troisième personne du singulier. Retrouve, R-E-T-R-O-U-V-E. Et puis la dernière chose, c'est poursuivi. Poursuivi doit être au masculin ici, hein, puisqu'on parle d'Hassan. Donc il est poursuivi, P-O-U-R-S-U-I-V-I. Poursuivi. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant cette histoire. Le jour de l'anniversaire de Raoul, Hassan lui offre un costume de Lupin et l'emmène en train avec Claire à un festival à Étretat. Le jour de l'anniversaire de Raoul, Hassan lui offre un costume de Lupin et l'emmène en train avec Claire à un festival à Étretat. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est un substantif et c'est costume. Costume, c'est masculin. Un costume, vous l'écrivez C-O-S-T-U-M-E, c'est un costume. Ensuite, c'est un verbe, le verbe emmener, qui est un verbe régulier du premier groupe. Emmène pour la troisième personne du singulier, E-M-M-E, accent grave, N-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un substantif, et ce substantif c'est festival. Festival, c'est masculin, un festival, et vous l'écrivez F-E-S-T-I-V-A. Elle. Un festival. Allez, on continue avec la troisième chose concernant cette série. Léonard suit la famille dans le train avec l'ordre d'Hubert de se débarrasser d'Hassan, mais de laisser sa famille tranquille. Léonard suit la famille dans le train avec l'ordre d'Hubert de se débarrasser d'Hassan, mais de laisser sa famille tranquille. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Johanna qui pose la question, emmener, amener. Oui, faites attention parce qu'effectivement, c'est la même chose hein, que emporter et apporter. Hein. Emmener, emporter, vous partez avec. Amener, apporter, vous arrivez avec cette chose ou cette personne. Thank you.
Allez, regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'était le verbe suivre. Le verbe suivre, souvenez-vous, c'est un verbe qui est du troisième groupe et qui est un peu complexe quand on le conjugue, puisqu'effectivement, je suis, S-U-I-S, tu suis, S-U-I-S, il, elle suit, S-U-I. Dans ce cas-là, nous avions effectivement la troisième personne du singulier, Léonard suit, S-U-I-T. Ensuite, se débarrasser, eh bien, c'est un verbe régulier, verbe pronominal. Et dans ce cas-là, on le met à l'infinitif, D-E accent aigu, B-A-R-R-A-S-S-E-R, se débarrasser. Et la dernière chose, eh bien, c'est un substantif et c'est famille. Famille, c'est féminin, une famille, la famille. Ici, on le combine avec le possessif, sa famille. Famille, F-A-M-I-L-L-E. Allez, on continue avec la chose suivante, numéro 4. Numéro 4, on y va. Hassan repère Léonard et manipule la police locale pour qu'elle l'arrête sous le nom de Paul Cernine. Hassan repère Léonard et manipule la police locale pour qu'elle l'arrête sous le nom de Paul Cernine. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde. Faites attention. Donc, la première chose, il y a eu quelques erreurs sur la première chose. Le verbe, c'est repérer. Verbe régulier du premier groupe. Hein. Repérer. Souvenez-vous, l'infinitif R-E-P-E, accent aigu, R-E-R. D'accord ? Mais ici, quand on va le conjuguer, il fait partie de ces verbes qui vont être un petit peu bizarres pour je, tu, il, elle et il, elle au pluriel, vous allez mettre l'accent grave. Donc repère, R, E, P, E, accent grave, R, E, d'accord ? Ensuite encore un verbe et le verbe c'est manipuler, verbe du premier groupe que vous mettez ici à la troisième personne du singulier, il manipule, M-A-N-I-P-U-L-E. Et la dernière chose, encore une fois, un verbe régulier du premier groupe, le verbe c'est arrêter. Arrêter, quand vous le conjuguez à la troisième personne du singulier, vous obtenez il arrête, elle arrête, A-R-R-E, accent circonflexe, T-E. Allez, on continue avec le numéro 5. Numéro 5 concernant Lupin et le dernier épisode de la première série. La famille se rend au festival sans incident majeur, mais Léonard est libéré de sa garde à vue et enlève Raoul sur la plage. La famille se rend au festival sans incident majeur, mais Léonard est libéré de sa garde à vue et enlève Raoul sur la plage. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Thank you.
Alors, je commence à regarder. Regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est le verbe se rendre. Se rendre, ici que vous conjuguez à la troisième personne du singulier, rend, R-E-N-D. Hein. Donc, la famille, troisième personne du singulier, se rend. Ensuite, eh bien, c'est libérer. Hein. Libérer, souvenez-vous, ici on doit mettre le participe passé, puisque ici c'est la forme avec l'accent aigu à la fin, L-I-B-E, accent aigu, R-E, accent aigu. Et puis, le verbe c'est enlever, verbe régulier du premier groupe, faites attention, même chose ici pour les accents graves, regardez, enlever. Mais, vous allez mettre ici, enlève, accent grave, j'enlève, tu enlèves, il, elle enlève au pluriel. Donc, E-N-L-E, accent grave, V-E. Allez, on continue, numéro 6, concernant cette histoire intéressante. Alors, Kassan et Claire recherchent désespérément Raoul, Youssef apparaît et appelle Hassan en s'adressant à lui avec étonnement sous le nom de Lupin. Alors Kassan et Claire recherchent désespérément Raoul, Youssef apparaît et appelle Hassan en s'adressant à lui avec étonnement sous le nom de Lupin. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde, hein, ça commence à arriver. Oui, hein, comme d'habitude, on cherchait trois choses. La première chose est relativement facile, il n'y avait pas de problème. Alors, vous l'écrivez bien, A-L-O-R-S. La deuxième chose, alors c'est un adverbe, il est un petit peu long, effectivement, c'est désespérément. Donc, on va y aller tranquillement. D-E accent aigu, S-E-S. P, E accent aigu, R, E accent aigu, M, E, N, T. Désespérément. Et puis la dernière chose, c'est s'adressant, souvenez-vous. Encore une fois, le verbe c'est s'adresser. Ici, on met dans un premier temps le participe présent, adressant, s'adressant. Et vous combinez avec le « en » et vous obtenez ce qu'on appelle un gérondif. Deux actions simultanées. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Allez, on n'oublie pas que... Oh, j'ai appuyé pourtant. Ah, c'est le côté sportif, hein, le côté sportif de l'exercice. N'oubliez pas de cliquer sur le like si vous ne l'avez pas encore fait maintenant. Ce sera très très gentil. Je pense que ça va être assez difficile d'arriver à 100 aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est samedi, c'est le week-end. Mais quand même, n'oubliez pas... Allez, s'il vous plaît, on y va, trouver un mot qui commence avec R-O. Allez-y, j'attends avec impatience vos mots.
Alors, c'est Renato qui commence avec Routard. Attention, Routard, R-O-U-T-A-R-D. Johanna qui nous dit romantisme. Mais oui, tout le monde veut du romantisme. Mais malheureusement, c'est pas toujours facile d'en trouver dans ce monde de brut. Stardust rompu. Kléber, roux. Est-ce que c'est roux ou est-ce que c'est rousse que vous voulez dire? Annabelle, un rôle. Omar, je ne suis pas sûr si... Non, je ne vois pas votre mot, Omar, c'est pas clair. Ange, une roue. Julia qui nous dit un robinet. Eh oui. Tenzin qui nous dit rouge. Ange Gabriel qui nous dit rouler. Leslie qui nous dit rouge aussi. LJ qui nous dit Romain. Monique qui nous dit une romance. Romande qui nous dit rogué. Qu'est-ce que vous voulez dire avec rogué, Romande? Je ne vois pas ce que c'est. Victoria Jacques, toujours très concentrée sur la cuisine parce que c'est le week-end. Et le week-end, Victoria Jacques, hop, sa cuisine et elle va mettre du romarin. Eh oui, Cosmina Bellou, roupiller. Hein, roupiller qui veut dire dormir, effectivement, en français familier. J. Vincent qui nous dit roi. Alors faites attention, pas de E. Hein. Un roi ou une reine. Stella qui nous dit bonjour. Stella, on n'oublie pas de cliquer sur le like, merci. Yesero qui nous dit un rouge-gorge. Stella qui nous dit romantiquement. Eh oui, un adverbe qui est très long, mais qui est sympathique. Olga qui nous dit la rouille. Lynn qui nous dit le rocher. Maria, un rôle. Stardust qui est d'accord. Selem qui nous dit romantique aussi. Eh oui, Fatima qui nous dit robuste. Ice Cubes qui nous dit c'est un beau romain. Non, ça c'est probablement une adaptation italienne, c'est un beau romain. La version française originale, c'est un beau roman. Et alors là, Ice Cube, si vous voulez, moi je la chante avec vous, pas de problème. Ah oui, un grand classique. Un grand classique de Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Oui, grand, grand classique. Je pourrais la chanter là, mais je ne vais pas le faire. Hicham, romantique. Selem, drôle. Ben, drôle, non, ça ne commence pas avec... Non, vous avez mis un R. Mélissa, une rose. Hilary, rendre. Très bien. Et puis, Hope qui nous dit Robert. Ouais, on avait dit pas de nom propre. Victoria Posse, rouler. Très bien. Kléber, les roues sont rondes. Très bien, merci beaucoup. Allez, hein, on n'oublie pas. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut cliquer sur le like. Merci beaucoup. Notre exercice suivant, eh bien, c'est écoutez bien. Souvenez-vous, écoutez bien, c'est la possibilité eh bien, de travailler un petit peu sur la phonétique. Voilà, je vais vous lire un mot une seule fois. Vous écrivez, s'il vous plaît, le mot que vous entendez. N'écrivez pas la lettre. Écrivez le mot que vous entendez. Scellé. Allez-y. Thank you.
Alors, oui, effectivement, c'était le premier scellé, hein. Alors, pour votre information, et comme d'habitude, je ne vous donne pas la traduction de ces mots parce que je pense que c'est important pour vous de chercher la traduction. Si vous ne connaissez pas ces mots, c'est la meilleure technique pour vous faire des listes. Allez, donc c'était scellé, c'était le premier. Je vais bien sûr vous prononcer les deux, comme ça ce sera clair. Le premier, scellé. Le deuxième, zélé. C'est véritablement la différence entre le ce qui est très très fort et le ze. Ce, ze. Le premier, scellé. Le deuxième, zélé. D'accord? Allez, si on va continuer, on va voir si c'est clair. Le numéro 2, le voici, le voilà. Attention, écrivez-le. Poison. Allez-y. Alors, je regarde, dans la plupart des cas, c'est bien. Faites attention, faites attention. Donc ici, c'était le deuxième. Le son, c'était z, z, poison. D'accord? Donc c'est le deuxième, POIS, un seul ON. On va écouter maintenant les deux. Le premier, comme j'ai expliqué, 2S, le son, c'est très, très fort, c'est vraiment un S très fort. Poisson. La technique, c'est de faire le son un petit peu plus long au début. Poisson. D'accord? Et après, hop, vous le mettez plus court. Poisson. Deuxième. Zzz, poison. On répète le A, poisson. Le B, poison. D'accord? Alors, continuons avec le troisième. Même chose ici. La même différence. Je le prononce une fois. Vous l'écrivez. Ruse. Allez-y. Alors effectivement, hein, c'est très très bien. Donc là, nous sommes d'accord que c'était encore une fois le z, hein, le son z. Et donc c'est juste un s ici, entre les deux voyelles. Donc ruse, d'accord? Je vais prendre une petite seconde juste pour les prononcer encore une fois. Le a avec les deux s, et donc le s très fort, c'est russe. On le fait un tout petit peu plus long, russe. Et maintenant, le raccourci russe. D'accord? Le deuxième, le B, z, ruse. Ruse. D'accord? Encore une fois, russe. Ruse. Allez, on continue avec le numéro 4. Clever, cet exercice est une ruse. Mais non, c'est pour vous! Allez, la même différence et on y va. Celle. Allez-y, s'il vous plaît.
Alors, je vois que là, ben, c'est clair pour tout le monde et c'est formidable. Ça veut dire que, apparemment, tout le monde a bien senti la différence. Ah non, Victoria Possé a mis, je ne suis pas sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. Regardez, nous étions à la recherche du premier. Le S très très fort. Sel, d'accord. Sel, S-E-L. Le deuxième ici, le B. Alors attendez, je vais vous le mettre comme ça. Donc le A, sel, très très fort. Le B, z, zèle. D'accord. Une fois encore, le premier, sel, et le deuxième, zèle. D'accord. Allez, on finit avec numéro 5. Et le numéro 5, c'est toujours la même différence. Attention, 13. Allez-y. Leslie, quelle est la différence zélé, zélé. Ah, et zèle. Le premier zélé, c'est l'adjectif, et zèle, c'est le substantif. Allez, regardons. Donc ici, on était à la recherche effectivement du deuxième, c'est-à-dire du B, 13, z, z, vraiment le z hein, qu'on avait. Le premier, allez, on va les regarder ensemble. Le A, encore une fois, un son très très fort du S, tresse, s, d'accord, tresse. Le deuxième, celui que nous avions, un son qui est vraiment zzz, un petit peu comme un insecte. 13. Premier, tresse. Deuxième, 13. Voilà, je dis bravo, bravo à tous et à toutes, parce que, eh bien, c'était parfait à la fin. Je dis bravo et merci beaucoup en tout cas. Alors bien sûr, n'oublions jamais cette chose fondamentale qui est... Voilà. On clique sur le like. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, à vous la parole. Regardez, aimez-vous jouer aux échecs? Oui ou non? Et pourquoi, s'il vous plaît, une petite phrase pour me dire si vous aimez jouer aux échecs, oui ou non? Alors, je vois que Juan nous dit, nous rejoint. Bonjour Juan. Juan, il ne faut pas oublier de cliquer sur le like. Alors, je regarde. Johanna qui dit, ça donne de l'hallucination. Les échecs ou ça? Ah, c'est peut-être une façon pour hypnotiser les gens.
Alors, JM, oui, tu dois penser stratégiquement. Morita qui nous dit « Non, je n'aime pas jouer aux échecs. » Detso qui nous dit « Je n'ai jamais joué à ça. » Juan qui dit « Non, car je ne sais pas comment jouer aux échecs, je voudrais apprendre. » Ange Gabriel qui dit « Oui, mais on dirait que c'est difficile à jouer, je n'ai jamais joué aux échecs de ma vie. » C'est Monta qui nous rejoint. C'est Monta, on n'oublie pas que... Il faut cliquer sur le like. Kléber, oui, je joue depuis que j'ai 8 ans. C'est le jeu que mon papa m'a appris et le jeu de notre famille. Bah, ça, c'est sympathique. Si c'est un jeu familial, c'est très important. Mélissa, ça dépend. J'aime jouer avec mes enfants ou quelqu'un qui a un niveau basique. J. Vincent, oh les échecs, je l'aime. J'avais l'habitude d'aider au match d'échecs des enfants locaux en tant que mentor. Alberto, oui, j'aime jouer aux échecs parce que je développe une stratégie contre l'autre joueur. Sinsin qui nous dit « J'ai appris à aimer les échecs ». Fatima, malheureusement, je n'ai pas encore appris à jouer aux échecs. Cosmina, je vais répondre pour mon fils. Oui, il adore jouer aux échecs. Il joue presque chaque jour en ligne avec des gens dans tout le monde. Roman qui nous dit « Oui, j'aime jouer à ce jeu car il vous aide de différentes manières à développer vos compétences en affaires ou dans d'autres travaux. » Stardust qui continue « Je ne suis pas très bon à ce jeu, mais... j'aime ça. Dans toutes mes parties d'échecs, je n'ai gagné qu'une seule fois. J'aime que vous deviez essayer à vos capacités de réflexion. Et c'est très difficile, effectivement. Annabelle qui nous dit « Non, je regarde juste le carré noir et blanc. C'est joli. » C'est vrai. Ah, il y a une dimension esthétique qui est importante. C'est très joli. Yesero, oui, surtout dans les jeux vidéo, je l'aime car on doit penser stratégiquement. Tenzing qui dit non, jamais, je vois ça comme une complication et je ne suis pas aussi intelligent pour jouer à ça. Monsieur, Maria, j'aime jouer aux échecs et aux dames car cela me rappelle de jouer avec ma mère pendant ma jeunesse. Hope qui dit oui, j'aime jouer aux échecs, c'est pourquoi je... c'est pourquoi je me sens intelligente. Yulia, oui, j'ai l'impression que vous avez regardé la série Le Gambit. Non. Très longtemps, je n'ai pas joué aux échecs. Dans mon enfance, j'ai joué avec mon père joyeusement, mais pas sérieusement. Victoria Posse, j'aurais aimé apprendre, mais je ne connais pas le mouvement des personnes ou des figures et je suis resté à ce niveau-là. Roman, j'avais l'habitude de jouer avec mon père ou avec mes frères. Monique qui nous dit oui, parce que c'est un jeu de stratégie. Et JM, oh, je dois dire merci, JM. Eh oui. Voilà. Grand merci. Merci beaucoup, JM. C'est très, très gentil. Et bienvenue dans notre communauté. Hilary qui dit « Non, je ne joue pas aux échecs parce que je perds toujours. » Moi aussi, mais c'est pas grave. Lynn, quand j'étais jeune, j'aimais jouer, mais pas maintenant. Johanna qui dit « Oui, ça va les échecs. J'avais l'habitude une fois de jouer avec mes enfants, mais plus maintenant car la vie est devenue de plus en plus stressante et agglomérée de tâches journalières. Jouer aux échecs nécessite de la patience et met la tête. » Ça vous demande trop de réflexion.
Clarissa, non, je n'ai jamais joué aux échecs, mais je veux l'apprendre. Renato, oui, il faut avoir l'apprentissage et ce n'est pas suffisant de faire de déplacer les pièces. Alba, j'ai essayé il y a quelques années de l'apprendre, mais j'ai abandonné. Je connais les bases du jeu. Sophia, j'aimerais jouer un jour. Il semble qu'il y a un grand intérêt sur les échecs après Queen's Gambit. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne connais pas cette série. Qu'est-ce que c'est que cette série? Ice Cubes. Oui, j'aime, mais je ne suis pas bon à ce jeu. Mon frère est toujours meilleur que moi quand on parle des échecs. Amla. Oui, j'aime jouer aux échecs, mais je ne suis pas doué. Kibron qui dit j'aime jouer, mais je ne sais pas comment jouer. Il y a beaucoup de règles. C'est bien ou quoi? Peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. Alors, Luciana nous rejoint et Luciana, on n'oublie pas. On n'oublie pas de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Alors, on attaque le coin à visiter. Le coin à visiter aujourd'hui, bah regardez, regardez, c'est le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel que nous allons découvrir, bien sûr, en quelques points. Comme d'habitude, je vais vous lire des phrases et vous allez écrire les mots qui manquent. Le Mont Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche, en Normandie. Le Mont Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche, en Normandie. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, N70 nous rejoint, on n'oublie pas. De cliquer sur le like. Alors Luciana, on m'a fait des remarques sur la trompette. Moi, j'aimais bien la trompette. J'ai eu le sentiment que les gens ne participaient pas, n'avaient pas cet enthousiasme pour la trompette, donc j'ai trouvé... que je trouve finalement très sympathique maintenant. Allez, si on regarde ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est un substantif et c'est commune. Commune, c'est féminin. Une commune, vous l'écrivez, commune. Ensuite, située doit bien sûr être au féminin avec le e à la fin, site, accent aigu, e. Et puis finalement, c'est Normandie. Normandie, c'est une région, donc c'est un nom propre, donc il y a une majuscule. N majuscule O-R-M-A-N-D-I-E. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant le Mont Saint-Michel. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du Mont Saint-Michel. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré
à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du Mont Saint-Michel. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe « tirer », un verbe du premier groupe ici. On le conjugue à la troisième personne du singulier. Elle tire, elle, c'est la commune. Hein. La commune tire son nom. Et donc, vous l'écrivez « T-I-R-E ». La deuxième chose, c'est intéressant, c'est un adjectif « rocheux ». Alors, « rocheux », ça fait partie de la famille de « roc », rocher, et bien sûr l'adjectif c'est rocheux, E-U-X à la fin, si c'était féminin ce serait rocheuse, E-U-S-E. Et donc ici rocheux, R-O-C-H-E-U-X. Et puis la dernière chose c'est où, alors ça normalement c'est bien écrit, souvenez-vous où avec l'accent. Hein, ici, c'est assez important. Merci beaucoup. Vouslat nous rejoint. Bonjour Vouslat et Vouslat. On n'oublie jamais de... Cliquez sur le like et vous pouvez maintenant participer à l'exercice. Numéro 3, regardons ensemble les mots qui manquent. Le début de la construction de l'abbaye bénédictine date de 965 ou de 966. Le début de la construction de l'abbaye bénédictine date de 965 ou 966. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Amla, non, on n'a pas filmé Lord of the Rings au Mont-Saint-Michel. Non. Non, désolé. Ou chercher, mais je ne pense pas. Alors, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, substantif, début, c'est masculin. Un début, le début, on l'écrit D, accent aigu, B, U, T, pas de problème. Deuxième chose, construction, féminin, encore une fois, les mots en ion, nous le savons, sont féminins. C, O, N, S, T, R, U, C, T, I, O, N. Et puis finalement, ensuite, c'est date. Faites attention ici, c'est un verbe. Le verbe c'est dater, verbe du premier groupe. On conjugue le verbe ici à la troisième personne du singulier, date, D-A-T-E. Ici, c'est vraiment le verbe. Hein. Ça n'est pas ici le substantif, c'est le verbe dater qui est conjugué. On continue avec la quatrième chose. L'architecture du Mont Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des 10 plus fréquentés en France. L'architecture du Mont Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie
est l'un des 10 les plus fréquentés en France. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est architecture. Architecture est un substantif. C'est un substantif qui est féminin. Une architecture ou l'architecture. A-R-C-H-I-T-E-C-T-U-R-E. L'architecture. Ensuite, baie, ici, c'est un mot aussi qui est féminin. Une baie ou la baie, B-A-I-E. Fréquenter doit être au masculin puisqu'on parle d'un site touristique. Site est masculin, fréquenter sera au masculin. F-R-E accent aigu, Q-U-E-N-T-E accent aigu. Allez, on continue avec la cinquième chose concernant le mont Saint-Michel ou Saint-Michel ici. Une statue de Saint-Michel placée au sommet de l'église abbatiale culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Une statue de Saint-Michel placée au sommet de l'église abbatiale culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble, comme d'habitude, trois choses. La première chose, c'est un substantif et c'est statue. Statue, c'est féminin. Une statue, la statue. Faites attention pour la façon de l'écrire. S-T-A-T-U-E. D'accord, certaines personnes ont mis un T ou quelque chose d'autre. Donc vraiment, S-T-A-T-U-E, la statue, une statue. Ensuite, c'est sommet. Sommet, souvenez-vous, c'est masculin, un sommet, le sommet. Vous l'écrivez S-O-M-M-2-E-T. Sommet. Et la dernière chose, c'est un verbe, et le verbe, c'est culminer. Culminer, verbe du premier groupe, ici. On le conjugue à la troisième personne du singulier, l'église, elle, troisième personne du singulier, culmine, C-U-L-M-I-N-E. Culmine. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez l'occasion, vraiment, vraiment, allez-y. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est franchement très, très joli. C'est très beau, c'est assez incroyable. Mais évitez les périodes très touristiques parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, le Mont Saint-Michel, jeudi, allez-y! Eh oui.
faut pas oublier de cliquer sur le bouton like si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous venez d'arriver, c'est le moment de le faire. Allez-y, ça va me faire plaisir. Nous nous rapprochons petit à petit des 100 et c'est possible. Allez, trouvez un mot s'il vous plaît. Trouvez un mot qui commence avec les lettres AM. On y va. Alors ça commence Stardust qui nous dit une amulette, oui, Roman qui nous dit un amour, Maria qui nous dit aimable, attention A-I-M-A-B-L-E, Amla qui nous dit amer, oui adjectif, Sinsin qui nous dit une ampoule, attention P-O-U-L-E, Ange Gabriel un amant, Tenzing un amour, Stella amoureuse, Amla Améthyste, Luciana, ça ressemble à Tom et Jerry. C'est vrai. Athé, une amulette. Yesero, amer. Sophia X, une ambiance. Clarissa, amenée. Cosmina, ambiancée. Eh oui, ça c'est un petit peu africain comme verbe. Il y a des ambianceurs aussi. Faudra qu'on en discute de ça, ça m'intéresse. Hilary, amusé. N70, une ambiguïté. Alba qui nous dit une ambiance. Eh oui. Vouslat qui nous dit une amende ou une amende. Les deux sont féminins, attention. Alberto qui nous dit l'amitié. Yeni qui nous dit un ambassadeur. Beryl qui nous dit un amour. Leslie qui nous dit Amérique, effectivement, qui est féminin hein, comme mot. Lynn qui nous dit améliorer. Mélissa Madrid qui nous dit une amende. Annabelle Nouvelle qui nous dit une âme. Eh oui. Amla qui nous dit une ampleur. Fatima qui nous dit l'Amazonie. Féminin aussi. Juan qui nous dit une ambiance. L'ambiance. Victoria Possé qui nous dit une amabilité. Amla qui nous dit aimable. Attention. A. I-M-A-B-L-E. Ice Cubes qui nous dit un amour. Luciana qui nous dit amusant. Johanna qui nous dit une amertume. Alba qui nous dit une amende. Victoria Jacques qui nous dit aussi une amertume. Julien qui nous dit une amandine. Oh, ça c'est bon. Oh là là là. Oh, il faut arrêter de parler de nourriture. Hein. Samantha qui nous dit un américain. Attention Samantha, souvenez-vous, quand vous l'utilisez comme substantif, ici c'est un nom, un américain, vous devez mettre la majuscule, hein, A majuscule, donc puisque c'est le nom ici, le substantif, c'est une personne. Quand on l'utilise comme adjectif, dans ce cas-là, on met tout en minuscule. Et puis, Cherylyn qui nous dit amyloïdose, qu'est-ce que c'est amyloïdose? Alors ça c'est intéressant, amyloïdose. Pas eu encore l'occasion de cliquer sur le bouton like, et eh bien c'est le moment ou jamais. Allez, écoutez bien, on continue nos exercices. Regardez, c'est la même chose. Ici, bien sûr, je ne dois pas. Je dois faire attention. Voilà, et voilà. Je ne vais pas tout vous donner parce que sinon, bien sûr, ça n'est pas très intéressant. Alors, on est prêt.
Je vais le prononcer une seule fois et je vais vous demander de l'écrire. Yulia, c'est une différence régionale. D'accord? Crève, allez-y. Alors, Yulia, c'est la même différence pour laquelle on dit pain au chocolat et on dit chocolatine dans certaines régions. Ça dépend des régions. On n'appelle pas toujours les pâtisseries de la même façon ou les viennoiseries non plus. Alors, apparemment, personne ne veut participer. Alors, où est-ce que vous n'avez pas entendu? Peut-être que vous n'avez pas entendu. C'était le premier. Mais là, je vais être beaucoup plus clair maintenant quand je vais vous donner le top départ pour le mot. Nous étions à la recherche du premier et c'est crève. Donc là, on va travailler sur la différence entre le cre, CR, cre, 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 et le gre. GR, gre, 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 qui est plus guttural. Cre et gre. Donc ici, c'était le premier et c'était crève. Regardons ensemble ou écoutons ensemble les deux. Le A, c'est crève et le B, c'est grève. D'accord? Crève, grève. Allez, on y va. Numéro 2. Numéro 2, gland. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je regarde. Ça y est, maintenant, ça arrive. Peut-être qu'il y a eu un problème technique. Je n'ai rien touché. Je n'ai rien touché. Allez, on est d'accord qu'effectivement, c'était le deuxième hein, qu'on essayait d'avoir ici. C'est gland. Souvenez-vous que ici, la prononciation, c'est vraiment gle, gle, gle. Hein, gland. Le premier, on va faire les deux comme ça. Hein, le A, c'est clan. Que, clan. Le deuxième, c'est gue. Gland, clan et gland. Allez, si on continue avec le troisième, attention pour le troisième, c'est ongle. Allez-y, écrivez-le s'il vous plaît.
Alors oui, très bien, hein, pas de problème. Donc ici, encore une fois, c'était ongle. Ongle. Regardons encore ou écoutons encore les deux. Le premier, oncle. Le deuxième, ongle. Oncle, ongle. On continue dans la même différence. Écrivez-moi le mot que je vais prononcer. Carré. Allez-y, s'il vous plaît. Alors oui, tout va bien, je dois dire. Hein. Je dois vous saluer, bravo, bravo. Ici c'est carré, carré, donc c'est le premier, effectivement, c'est A-R-E. Enfin, pardon, c'est A-R-R-E, accent aigu. Allez, je vous prononce les deux pour que ce soit clair. Le A c'est carré et le B c'est garé. Carré, garé. D'accord. Allez, on finit avec le numéro 5. Goûter. Écrivez-le, s'il vous plaît. Casey, Bob l'éponge carrée. Ah. Et oui, Casey, Casey Franco, j'étais personnellement avec ma fille, nous étions des grands, grands fans de Bob l'éponge carré. C'était impressionnant, c'était impressionnant. Alors, revenons à notre exercice. L'exercice, c'est goûter. Donc, nous étions à la recherche de goûter, donc la deuxième avec le gueugueugue. Je vais vous prononcer les deux. Le premier, c'est coûter. Et le deuxième, c'était celui que nous cherchions, goûter. D'accord ? Coûter, que. Deuxième, gueugueugue, goûter. Voilà, merci beaucoup. C'était formidable. Formidable ce souvenir de Bob l'éponge. Merci beaucoup. Allez, je vois que nous sommes quand même suffisamment pour probablement... Si vous n'avez pas cliqué sur le like, c'est le moment de le faire. Nous nous rapprochons petit à petit des 100 likes. Denise qui arrive et Denise, n'oublions pas Denise. Sur le like parce qu'on est professionnel. Allez, on y va. La dictée de nombres, vous le savez, on en fait presque à chaque fois parce que c'est nécessaire. On commence avec le premier. Nous sommes à un niveau avancé. Je ne vais les lire qu'une seule fois. Ça, c'est clair. 9. Écrivez-le, s'il vous plaît. «
Alors, c'est clair, c'est neuf, il n'y a pas de problème. Tout le monde l'a bien écrit. On va le faire assez rapidement, si vous voulez. Le deuxième, bien sûr, on a deux chiffres et c'est 16. Allez-y. Alors, je regarde, tout va bien et je dis bravo, 16, nous sommes d'accord, 1 et 6. On continue assez rapidement avec le troisième, 3 chiffres, 514. Allez-y. Alors, pour le moment, je vois, et c'est bien, effectivement, 514, 5, 1, 4, pas de problème. Je tiens juste, puisque je vois qu'il y a suffisamment de monde, pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. On n'oublie pas de cliquer sur le like, merci beaucoup. Allez, le quatrième, bien sûr, 4 chiffres. Attention, 9036. Allez-y. Alors, oui, faites attention, il y a des personnes qui ont mis 306, mais non, c'était 9036 ici, donc 9, 0, 3 et 6. 9, 0, 3 et 6, 9036. On continue avec le cinquième. Cinquième, ça veut dire 5 chiffres. Attention, 69326. Alors, pour l'instant, ce que je vois, bah, c'est bien, effectivement. Donc, 69 326, 6, 9, 3, 2, 6. On continue avec le numéro 6. Le numéro 6, eh bien, oui, c'est 6 chiffres. Attention, 714 604. Allez-y, s'il vous plaît. Alors,
Parfait, parfait. Donc ici, 714 000, donc 714, 604, 604. 714, 604, 714 000, 604. Et on finit avec le numéro 7. Et numéro 7, 7 chiffres. Et là, c'est ce qu'on appelle les millions. Attention. 6 893 618. Allez-y. Allez, ce sera le dernier parce que c'est la torture qui s'arrête à un moment quand même. 6 millions, donc 6, 893 000, 8, 9, 3, 618, 6, 1, 8. Donc au final, on se retrouve avec 6, 8, 9, 3, 6, 1 et 8. J'ai l'impression de faire les résultats du loto. Merci beaucoup. Allez, on n'oublie pas que si vous êtes arrivé maintenant et que vous n'avez pas cliqué sur like, il faut le faire. Essayons tous ensemble d'arriver joyeusement, mais sûrement aux 100 likes pour ce cours. Ce serait quand même très, très sympathique. Merci beaucoup. Allez, tiens, Yossi nous retrouve. Yossi va être content parce que Yossi, quand il n'était pas là, regardez Yossi. Hier, bien sûr que j'avais décidé de vous faire plaisir, Yossi. Regardez ce que j'avais mis à la place de l'alarme. J'avais mis... Et bien sûr, certaines personnes m'ont dit « c'est comme ci, comme ça ». Et donc aujourd'hui, nous avons celle-là. Voilà, donc c'est beaucoup plus serein, c'est moins stressant. Allez, on y va, un peu d'histoire si vous voulez bien. Un peu d'histoire et on va commencer avec la première chose. Je vais lire et vous écrivez. Le français a été la langue officielle de l'Angleterre pendant environ 300 ans, de 1066 à 1362. Le français a été la langue officielle de l'Angleterre pendant environ 300 ans, de 1066 à 1362. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Mais aussi, c'est une alarme d'avalanche. L'alarme que j'ai mise, c'était une alarme d'avalanche. C'est pour les avalanches. Thank you.
Allez, regardons les quatre choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'était français. Français, bon, on sait l'écrire F-R-A-N-C-C-D-I-A-I-S. Officiel, officiel, l'adjectif doit être au féminin puisque c'est lié à langue. Officiel au féminin est O-F-F-I-C-I-E-L-L-E. Ensuite, pendant, vous l'écrivez P-E-N-D-A-N-T, et finalement environ, E-N-V-I-R-O-N. Allez, on continue avec la deuxième chose. Après la conquête normande de l'Angleterre, Guillaume a été couronné roi à Londres le jour de Noël 1066. Après la conquête normande de l'Angleterre, Guillaume a été couronné roi à Londres le jour de Noël 1066. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, regardons les choses qui manquaient. La première chose, c'est un substantif et c'est conquête. Conquête, c'est un substantif, c'est un mot qui est féminin. Une conquête ou la conquête, vous l'écrivez C-O-N-Q-U-E, accent circonflexe, T-E. Ensuite, c'est couronné ici. Couronné, vous voyez que c'est la forme passive. Faites attention, on doit donc utiliser le participe passé du verbe couronner. C-O-U-R-O-N-N-E, accent aigu. On le laisse au masculin puisque Guillaume, eh ben c'est monsieur. Et puis finalement, Londres, on l'écrit bien sûr avec une majuscule puisque c'est une ville. L-O-N-D-R-E. S. Londres. Allez, si on continue avec la troisième chose concernant, eh bien, cette histoire. Il a ensuite consolidé son contrôle et installé nombre de ses partisans en Angleterre, introduisant un certain nombre de changements gouvernementaux et sociétaux. Il a ensuite consolidé son contrôle et installé nombre de ses partisans en Angleterre, introduisant un certain nombre de changements gouvernementaux et sociétaux. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, un grand merci à vous. Merci d'avoir cliqué sur les likes, même si effectivement, je n'étais pas persuadé que... Je pensais que ça n'allait pas marcher. Honnêtement. Mais ça a marché. Allez, regardons ensuite les choses que nous cherchions. La première chose, regardez, consolider. Consolider ici, c'est le verbe que vous mettez
est au passé composé. Donc nous cherchons le participe passé du verbe consolider. Verbe régulier, relativement facile, c'est O-N-C-E-S-O-L-I-D-E qui sont aigus. Ça, c'est relativement simple. Ensuite, introduisant, souvenez-vous, introduisant, le verbe c'est introduire, introduisant, vous allez l'écrire I-N-T-R-O-D-U-I-S-A-N-T, introduisant. Et puis, sociétaux, eh bien écoutez, on l'écrit, bien sûr c'est l'adjectif, hein. Donc l'adjectif ici doit être au masculin, pluriel, et on l'écrit S-O-C-I-E accent aigu T-A-U-X. Qu'est-ce qui est, pourquoi Denis, je ne peux pas qu'il dise c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe avec terrible? Mais non, c'est pas terrible. Allez, on continue. Numéro 4. L'un de ces changements fut l'introduction du français normand comme langue de l'élite noble, de la cour et du gouvernement. L'un de ces changements fut l'introduction du français normand comme langue de l'élite noble, de la cour et du gouvernement. Allez, écrivez les mots qui manquent. Denise, au revoir et à bientôt. Allez, on regarde ensemble la première chose, introduction, substantif, c'est féminin, et on l'écrit I-N-T-R-O-D-U-C-T-I-O-N, introduction. Ensuite, élite, hein. Élite est un substantif, pour votre information, c'est féminin, une élite ou l'élite. Vous l'écrivez E accent aigu, L-I-T-E. Et la dernière chose, encore un substantif, gouvernement, qui est masculin, le gouvernement, un gouvernement, G-O-U-V-E-R-N-E-M-E-N-T. Allez, on continue avec cette partie de l'histoire qui est assez intéressante. Des mots français sont entrés dans la langue anglaise et un autre signe de ce changement est l'utilisation de noms français au lieu de noms anglais. Des mots français sont entrés dans la langue anglaise et un autre signe de ce changement est l'utilisation de noms français au lieu de noms anglais. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, regardons la première chose, eh bien, c'est le verbe entrer. Souvenez-vous que le verbe entrer, quand on le conjugue aux temps qui sont composés, on va utiliser l'auxiliaire être. Hein, et donc ici, on voit qu'on utilise son. Entrer, vous allez l'écrire bien sûr au pluriel, masculin pluriel, puisque mot c'est masculin, mais c'est au pluriel. Entrer, E-N-T-R, E accent aigu, S. Ensuite, changement, substantif masculin. Un changement, le changement, ici, vous avez le démonstratif,
ce changement, C-H-A-N-G-E-M-E-N-T. Et puis la dernière chose, et encore une fois un substantif, nom, un nom, N-O-M, bien sûr ici vous voyez que ça doit être au pluriel, avec le S-N-O-M-S. On continue avec cette histoire très intéressante. Les noms masculins changent d'abord avec des noms tels que William, Robert, Richard, qui deviennent rapidement courants. Les noms féminins ont changé plus lentement. Les noms masculins changent d'abord avec des noms tels que William, Robert, Richard, qui deviennent rapidement courants. Les noms féminins ont changé plus lentement. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Faites attention avec le premier mot, puisque c'est le verbe changer. Oui, mais on doit bien sûr le conjuguer au pluriel, parce que les noms masculins, c'est la troisième personne du pluriel. Change, c'est H-A-N-G-E-N-T. D'accord ? On le conjugue. On le conjugue à la troisième personne du pluriel. Devenir, ici, c'est la même chose. Vous allez le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Devienne. D-E-V-I-E-N-N-E-N-T. Et puis la dernière chose, c'est un adverbe. Et l'adverbe, c'est lentement. Souvenez-vous que lentement, on ne va pas y toucher. On ne met pas de pluriel. On ne met rien du tout. On l'écrit comme ça, L-E-N-T-E-M-E-N-T, lentement. Allez, ça continue avec ça. L'invasion normande n'a pas modifié les pratiques d'attribution des noms, notamment les noms de lieux. L'invasion normande n'a pas modifié les pratiques d'attribution des noms, notamment les noms de lieux. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, si on regarde la première chose, eh bien c'est un substantif, un pratique. Souvenez-vous que c'est un mot qui est féminin. Une pratique, la pratique, ici, on le met au pluriel, P-R-A-T-I-Q-U-E-S. Notamment, souvenez-vous, comment bien l'écrire, N-O-T-A-M-M-E-N-T. Notamment. Et lieu, alors lieu, c'est un substantif. Souvenez-vous que un lieu, le lieu, c'est masculin. Quand vous le mettez au pluriel, on va mettre un X à la fin. Les noms de lieux, parce que bien sûr, il y en a plusieurs. L-I-E-U-X. Allez, je crois que c'est la dernière chose concernant cette chose. Ouh! Là, assez intéressante. Voilà. Les exigences du commerce et de la communication simple signifiaient probablement que le bilinguisme n'était pas inconnu tant chez les Normands que chez les Anglais de souche.
les exigences du commerce et de la communication simple signifiaient probablement que le bilinguisme n'était pas inconnu tant chez les Normands que chez les Anglais de souche. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les quatre choses qui manquaient. La première chose, c'est le mot exigence. Exigence, pour votre information, c'est un mot féminin. Une exigence. Ici, c'est au pluriel et on l'écrit E-X-I-G-E-N-C-E-S. Exigence. Après, c'est le verbe signifier. Le verbe signifier que l'on conjugue à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel, signifiait S-I-G-I-G-N-I-F-I-A-I-E-N-T. Signifiait. Souvenez-vous, l'infinitif signifier. Bilinguisme doit être ici au singulier. Vous voyez que c'est masculin. Le bilinguisme, B-I-L-I-N-G-U-I-S-M-E, le bilinguisme. Et la dernière chose, eh bien, c'est souche. Pour votre information, c'est un substantif qui est féminin. Une souche, mais ici on l'utilise comme expression anglais de souche. S-O-U-C-H-E. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez toutes ces choses, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours très intéressant de découvrir les relations entre les langues, les pays, et c'est toujours très, très enrichissant. Allez, encore un classique. Trouvez un mot et s'il vous plaît, impressionnez-moi. Trouvez-moi un mot qui commence avec les lettres Q, U. Allez-y. Alors, je regarde Annabelle qui dit « question », effectivement, une question. Yannick qui dit « quelle ». Hen70 qui nous dit « quoique ». D'accord, Kléber qui nous dit « quoi ». Stardust qui nous dit « une quiche ». Eh oui. Soukania qui nous dit « bonsoir, Soukania, on n'oublie pas de... » Voilà. Luciana qui nous dit quotidienne. Roman qui s'en va, au revoir Roman. Sinsin qui nous dit une quantité. Tenzin qui nous dit le Québec. Ouais, il faudrait mettre avec une majuscule. Beryl qui nous dit qui. Alberto qui nous dit quelque chose. En deux mots, s'il vous plaît. Leslie qui nous dit une quantité. Très bien. Soukania qui nous dit la qualité. Roman qui nous dit quand. Fatima qui dit quiconque. Ange Gabriel, qui. Vous, Slat, une querelle.
Morel. Et oui, Kléber qui nous dit qui, quoi, quand. Monique qui nous dit la quantité, une quantité. Lynn, quoi. Cosmina, non. Désolé, je ne lis pas. Yossi. Cosmina, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un colibet, un peu ancien, un petit peu ancien, oui. Ma génération va comprendre, la génération de mes enfants aura du mal. Ice Cubes, une question. Hillary, une question. Yesero, une queue. Omar, quelque. Juan, la chiromancie. Maria, un quai. Amla, quai aussi. Johanna, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Cherylyn, la Kirine, Sougania, vous avez déjà mis. Olga qui nous dit quelquefois et Victoria Possé qui nous dit la qualité. Merci beaucoup. Allez, c'est le moment de nous quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Cosmina, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas lire des choses comme ça. Mais bon, comme diraient les anglophones, nice try. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera exactement à la même heure. Et comme d'habitude, on va commencer avec les débutants, intermédiaires, avancés. Débutants, intermédiaires et avancés. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Et passez un très très bon dimanche. Au revoir.